Les semaines à venir promettent d'être encore plus difficiles. C'est la mise en garde de la chancelière allemande Angela Merkel, alors que son pays a dépassé les 40 000 morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie. La propagation du virus s'accélère en Europe et l'Allemagne est frappée de plein fouet alors qu'elle s'en était mieux sortie que nombre de pays lors de la première vague. C'est un début d'année mitigé. Il y a d'abord de l'espoir. L'espoir que pas à pas, nous finissions par maîtriser le coronavirus et retrouver notre liberté. Puis, il y a cette dangereuse deuxième vague dans laquelle se trouve notre pays, comme tant de pays européens. Ces prochaines semaines d'hiver seront probablement la phase la plus difficile de la pandémie. La Suède aussi est durement frappée par cette seconde vague. Alors qu'il avait jusque-là privilégié les mesures incitatives, le gouvernement vient de voter une loi pour permettre des restrictions plus fortes. Elle permettra notamment de limiter le nombre de personnes dans les magasins et les entreprises. Et pour la première fois, des amendes pourront être données aux contrevenants. En France, 8 nouveaux départements sont soumis depuis dimanche à un couvre-feu avancé à 18h et 2 autres le seront mardi, portant le total à 25 départements. Et alors que 16 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, les autorités surveillent de près le variant britannique qui a contaminé 7 nouvelles personnes à Marseille. C'est lors d'une fête familiale. Il y a une personne qui est venue d'Angleterre, qui est venue rejoindre de la famille ici, et c'est comme ça qu'ils se sont contaminés. Les restrictions pèsent sur les populations, entraînant parfois des résistances. En République tchèque, des milliers de personnes se sont rassemblées à Prague pour exprimer leur colère. Ils limitent les contacts entre les gens, les liens sociaux. Ils essayent de nous confisquer nos vies, de nous dicter ce que l'on peut faire ou non. On ne peut pas l'accepter. Les hôpitaux tchèques sont actuellement saturés de patients malades du Covid-19 et le pays est confronté à l'un des taux d'infection les plus élevés d'Europe.